Eh bien, salut tout le monde, c'est Zocoli Commando du 29 et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo. Donc c'est pour la whip 4 si je me trompe pas, ou 3, je crois 4. Donc du Mock Star Wars qui a un petit peu avancé pendant cette longue semaine sans vidéo. Donc tout simplement parce que j'étais pris à cause des cours, vu que j'ai dû faire un stage, donc je pouvais rien faire, on va dire, pendant ce temps. Donc voilà, et je vous tourne un peu cette vidéo assez rapidement, que je vais essayer de poster rapidement pour que vous l'ayez avant Noël, puisque je vais fêter Noël dans ma famille, donc vous n'aurez pas de vidéo. Donc voilà, donc il y a eu quand même quelques avancées sur ce mock, donc je vais vous les montrer. Donc surtout celle-là, donc le, on va dire le dernier étage. Mieux. Donc de ce côté pareil, mais je vous tournerai le mode sûrement. Et ici c'est un point arrondi. Voilà, donc surtout ça de nouveau. Le toit un tout petit peu avancé, donc avec une défense, donc une sorte de mitrailleuse que je trouve vraiment bien. Voilà. Donc sinon une sorte d'ordi ici et ici, une sorte de bouche d'aération. Donc sur ce bâtiment on m'a conseillé de mettre un vaisseau, donc je mettrai celui-là. Voilà. Sûrement. Avec sûrement je net gunnerai qui fuit, donc pour fuir la base. Donc voilà, ça fait assez haut. Ça rendra plutôt bien je pense, mais la grosse galère que j'ai avec en faisant plusieurs étages, c'est que les toits c'est juste horrible. Donc je sais pas pour ceux qui construisent des grosses bases comment vous faites, mais il faut mettre des piliers partout et bien former les toits pour que ça tienne, et c'est hyper galère. Donc c'est vraiment très chiant, c'est pour ça que j'ai qu'il y a très peu d'avancées, parce que j'ai mis du temps à bien tout faire pour que ce soit un minimum stable. Oula, donc ici j'ai déjà commencé un petit peu. Moi je vais vous retirer pour que vous puissiez mieux voir. Donc, quelques détails. Voilà. Donc ça je l'ai posé ici pour l'instant, mais je vais sûrement le bouger. Je n'ai pas encore trop décidé ce qu'il y aura ici. Donc voilà. Là-bas, par exemple, on voit qu'il y a une sorte de différence de hauteur. C'est énervant. Mais bon, je peux pas faire autrement. Donc alors ici il y a la grande baie vitrée. C'est vraiment ça, j'aime bien d'avoir réussi à incruster assez bien des fenêtres. Donc comme je l'ai fait ici. Je trouve que ça rend mieux. Et donc ce que j'ai fait, c'est juste ici, j'ai rajouté une sorte de sas pour que ça fasse un pilier en même temps, et voilà. Donc j'ai vraiment fait très très peu de choses. Comme je vous ai dit, je pouvais pas faire grand chose, mais j'ai quand même un tout petit peu avancé. Donc par exemple, je pense que je mettrais soit des personnes, des droïdes ou des, pardon, des chefs séparatistes fuir par là, pendant que la défense s'organisera ici et près, près des cellules. Donc ici rien n'a bougé, c'est toujours pareil. Donc voilà, donc sinon je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Je commence un petit peu à rajouter quelques petits détails sur le chemin. Hop. Donc voilà, donc c'est une vidéo très très rapide, vu que j'ai pas grand chose à montrer. Je ferai la vidéo après Noël quand je serai rentré chez moi et que j'aurais eu mes cadeaux. Donc je vais avoir pas mal de Lego normalement, donc je vais pas vous dire pour vous laisser une sorte de surprise, mais juste normalement une ou deux boîtes Star Wars et deux boîtes d'une gamme pas hyper connue, enfin si, c'est assez connu mais c'est très peu représenté sur YouTube, donc ça peut être cool pour vous si j'en fais des mocks. Donc voilà, normalement j'ai tout remis. Voilà, on va rajouter ça. Hop.
Voilà, enfin un ensemble d'étoiles, c'est tellement chiant. Donc si vous, quand vous faites des bases et tout, vous avez une meilleure technique pour mettre des toits, donc moi en gros je mets juste des pièces lisses et quelques pièces avec des tenons pour s'accrocher, mais souvent s'il y a un peu de pièces, ça passe pas du tout. Donc si vous avez des techniques, merci de me les donner. Sinon vous avez d'autres conseils ou d'autres idées, par exemple ici si je dois rajouter des choses. Là-bas, si je mets, par exemple, je pense mettre des clones qui attaquent, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc voilà. Donc sinon, je vais vous mettre les petits, pas véhicules, mais le canon et le vaisseau qu'il y aura. Donc du côté séparatiste, il y aura ça, et sinon du côté républicain, enfin, oui, républicain, la République, quoi. Il y aura sûrement les deux speeders, celui-là et celui-là, donc que je vous avais montré avec les modifications. Donc voilà, donc j'hésite quand même, je sais pas si je vais le laisser, ça fait quand même assez haut. Je sais pas trop comment ça rend, si vous aimez bien, si vous trouvez ça bof bof, je l'enlèverai sûrement parce que ça fait quand même assez haut pour le reste qui est pas très très grand. Mais je pense que ça peut être pas mal quand même. Hop. Donc voilà, donc je pense à peu près avoir tout dit, donc pour 2016, enfin même s'il y aura une vidéo avant 2016, donc j'essaierai de reprendre un rythme normal. Donc avant, j'essayais de faire une vidéo tous les 5 jours à peu près, pour que vous ayez un minimum de contenu, mais là j'ai été pris pendant, c'est le début de l'année scolaire, hein, donc j'ai pas pu vous donner beaucoup de contenu. Donc sinon, ce mock sera bientôt terminé. Je vais essayer de l'avancer beaucoup pour que vous puissiez l'avoir avant le nouvel an, même si je pense pas trop. Sinon le prochain mock, je sais pas trop quel thème encore. Je verrai ça après. Donc voilà, donc je vous souhaite de joyeuses fêtes. Donc je veux que je. Ouais, c'est la dernière vidéo avant Noël. Voilà, donc bonne fête à tous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc likez, commentez et à bientôt.